Bon, vas-y, go regarder la vidéo de Céan là. Ok. Et lui, c'est mon petit frère. On est parti. Salut, c'est Océane et lui, c'est mon petit frère Mathis. Il était en couple pendant plusieurs années avec une fille qu'il a récemment larguée et trompée avec son meilleur ami. Pardon. Notre mission, c'est de lui trouver l'amour de sa vie en l'envoyant sur 100 dates. Ce qui fait beaucoup. Devant toi, Mathis, il y a 50 meufs. Si tu matches, t'appuies sur le bouton vert. Ok. Si tu matches pas, t'appuies sur le bouton vert. J'aime bien le délire parce que on avait déjà regardé une vidéo comme ça, comment ça s'appelle, c'est Jubilee, ils ont fait plusieurs concepts comme ça, mais genre que ça fait en France, j'aime bien le mec. Mais attends, elle ressemble à quoi les filles? T'appuies sur le bouton rouge. Pour savoir. Tu peux appuyer doucement. Et il a quel âge lui? Il a 20 ans on va dire. Tu veux pour que ce soit... Il y en a 50 là? J'aurais dit 20 même pas. Mon violent. Good luck. Merci. On va commenter cette scène avec David, superstar de TikTok. Mathis, tu fais comme superstar de TikTok. Vous connaissez David? C'est bizarre du coup. Salut, je m'appelle Maria Mélie. Pas la même du motif. J'ai deux pieds gauches. En parlant de pieds, on n'est pas des chaussettes, mais je suis sûre qu'on pourrait faire la paire. Ok, ok. Ok. Oh, c'est quoi des motifs? C'était un petit oui, ça. C'était un petit oui timide, c'est le premier. Faut bien que tu prennes en compte que tu pourras pas toutes les garder. Ok, on est sélectif maintenant. Coucou, du coup, moi c'est Zoé, j'ai 20 ans, future maîtresse des écoles, je te rassure. Même si je me suis fait les croiser, je suis prête à te courir après. Oh, c'est un pourquoi la blague est devenue aussi populaire? Genre, je me suis fait les croiser. Les croisés, tu connais. Genre, pourquoi la blague est devenue aussi populaire chez les filles? Parce que, genre, c'est pas super drôle. Et pourquoi chez les filles? Genre, elles font pas de foot. Genre. C'est parce qu'elle parodie les mecs qui disaient ça sérieusement? Eh bien, ça va être bonne vibe. Alors, salut, je m'appelle Tiara, j'ai 22 ans. Je suis d'origine indonésienne. Même si chez moi il fait pas tout en beau, je serai toujours rayonnante pour toi. Faut sélectionner, hein. C'est mon premier nom, je suis désolé. Le premier nom! Hardcore, mais... Ah, mais c'était tout mignon! Je suis le plus gêné de tous, d'accord? Ta place, je la veux pas. Moi, à ta place, je dormirai pas très bien ce soir. En tout cas, t'es rassurante, ça fait plaisir. Ça se voit que tu me soutiens. Salut, je m'appelle Marina et du coup, voilà. C'est un peu léger. Ouais, c'est violent, non? Franchement, Mathis, j'ai un chat qui s'appelle Lukum. On m'appelle Maria, mais toi, tu peux m'appeler ce soir. C'est oui. Ah bon, c'est comme ça ici? Ah, comme ça fait, boy. C'est pour Lukum. Bien sûr, le chien, c'est une belle excuse, ça. Salut, je m'appelle Taline. Moi, c'est Lila. Bonjour, je m'appelle Réal. Ah, ça arrêtait qu'est-ce que tu as fait. Elle a un peu les mêmes traits que son ex. J'espère qu'il va pas la prendre. Je te jure, c'était une blonde aux yeux bleus. Il rigole avec elle, il parle avec elle. Ouais, tout. Ok. Ce sera non. Oh, j'ai peut-être passé au-dessus. Vous disiez quoi? On disait rien. Non, non. Aucun jugement. Ce sera non. C'est un gros cap. Ouais. C'est quand même brutal. Hein, ce sera non. J'ai 20 ans. J'adore voyager. Ça serait trop bien de découvrir le monde avec toi. Oh! Ouais, moi je suis casanier, hein. Moi je bouge pas, c'est non, je suis désolé. Je m'appelle Saloa, plus communément Oni. La définition de mon prénom c'est miel, consolation et soulagement. Quoi? Ok, c'est sûr. Quel charreau celui-là. Mmh, quel charreau. On a dit l'amour de ta vie, Mathis. J'ai rien compris. On a pas dit un plan cul. Pardon, plan. Salut, moi je m'appelle Alizée, j'ai 21 ans. Je me présente aujourd'hui ici parce que j'ai vécu la même situation que toi il y a une semaine de ça. Yes, c'est oui, let's go. Oh, elle avait l'air coincée, elle avait l'air gênée, frère. Vous consoler et tout. Après t'es là de donner un spectacle devant tout le monde, frérot. Non, je pense que ça va être bon calme, c'est bien. Trop mignon. Une petite semaine, c'est sympa. Cute. Salut, je m'appelle Pauline, j'ai 21 ans. Ben moi aussi je me suis fait tromper, donc ça nous fait un point commun. Ok, ça commence à faire beaucoup, c'est redondant. Je vais dire non, du coup. On peut pas accepter tous les gens qui se sont fait tromper, c'est... Oh, mais de ça prend ses ailes ici. En plus, c'est redondant. Toutes les... C'est redondant. Désolé, t'inquiète. Ah, vas-y, je l'avais trompé. Je me casse les couilles. Ça va pas ou quoi? Il est malade. Il est malade, celui-là. Salut, je m'appelle Paloma, j'ai 18 ans. Je suis en licence d'anthropologie. Anthropologie? Pas mal, les études, smart girl, we love that. Tu te vends pas très bien, mais c'est oui. Donc, si elle se vend pas très bien, pourquoi le oui? Comment il parle mal? Me regarde. Ok. De quoi? Donc, si elle se vend pas très bien, pourquoi le oui? C'est des raisons qui me regardent. Ah, j'ai cru la façon dont elle me regarde. Mathis. Est-ce qu'on les connaît, les raisons? Par contre, si tu les trouves fraîches, tu peux le dire aussi, arrête de te voiler la face. Ah oui, oui, c'est vrai. Tu l'as trouvé belle? Ouais. Oh, mignonne. C'est pas gêné. C'est gênant. Suivante. Merci. Franchement, voilà quoi. Si tu gères une meuf comme ça, encore une fois, je veux pas descendre ou quoi, mais franchement, respect, tu vois. La même, moi, je. Ouais, tu vois ou pas? Bonjour. Amener 100 meufs, frère. J'ai 22 ans. Mathis, il faut que tu vraiment prennes conscience que là, tu n'as plus qu'un oui. Il te reste deux filles. Ok. Ah non, 19, c'est le cas. Réfléchis bien à ta réponse. Il est 79. On peut pas faire passer les deux et ensuite je me décide. Je te trouve très gourmand, tu vois. T'es le genre de personne. On te donne un bras, tu prends la main. Ok. Donc, un choix à l'aveugle. Bah, je vais dire oui, parce que j'aime bien ton style. Et du coup, je suis désolé.
Ok. Mais vraiment, les béliers, ça pue. Non, je sens bon. Je suis méchant, mais je sens bon. Moi, par principe, je te dis oui, parce que t'as pas eu la possibilité de te présenter. Et si tu te demandes ce que je tiens dans la main, c'est une gourde Air Up. Merci Air Up de sponsoriser la vidéo du jour. Et puisque j'ai pensé à tout, tu as également éliminé plus de 30 personnes. Il en reste 20. Pour les départager, j'ai organisé un énorme talent show. Il va falloir en sélectionner 10. Salut. Moi, c'est Florence. Moi, c'est Romane. Moi, c'est Natacha. Je suis magicienne. Oh, cool. Alors, je vais vous faire des petits tours. Franchement, moi, j'adore la magie perso. Ok. Je suis un peu impressionnée, moi, déjà, là. Oh, ah, okay. Pas mal. Pas mal, hein. Mathis, du coup. Je trouve ça très impressionnant, mais malheureusement, ça va être un non. Oh, t'as pas un sponsor pour des gourdes? Bonjour, je m'appelle... Atriro, si la gourde, elle paye un petit 50K, crois pas que ça la prend. Et j'ai fait Scarlett. Tu l'as super bien dessinée. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Mathis? Rien, parce que je connais pas Mathis. Moi, mon talent, c'est d'être très gênante. Oh. Du coup, je vais vous faire un petit twerk du dos. Oh my god. J'adore. Je vais le faire avec mon nez aussi. Et là, tu twerk avec ton nez? Mais c'est fabuleux. C'est oui pour le twerk du nez. Oui pour le twerk du dos, oui, oui. Ça sert à rien de fuir, car ce soir à minuit, tu me séduis sous cette huile, on fera des folies. Ouais. Franchement, bravo meuf, t'as trop géré. Ouais, donc c'est un oui. Chaud. Oui, évidemment, c'est un oui. C'est un truc de fou, moi jamais j'arriverai à faire ça. Tu sais que je suis impressionné premier degré, genre. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a, Mathis? Tu l'aimais bien, cette fille? Ouais, cette fille, je l'aimais bien. Elle a fait un petit cœur. Bah, du coup, c'est oui. Je vais faire bouger mon nez et mes oreilles. Fabuleux, moi aussi, je sais. Moi aussi, je sais faire. Moi, je suis désolée, j'ai fait 8 ans d'équitation, mais j'ai pas ramené mon poney dans la voiture. Je vais dire non aussi, mais c'est pas contre toi, c'est juste que mon ex faisait de l'équitation. Oh. Du coup, c'est non. Ah ouais, quand même. Ah ouais, bravo, ouais, bravo, bon, bravo, bon, bravo. Moi, je trouve que c'est un vrai talent, cela dit. Ouais, c'est un vrai talent, mais je vais dire non. Que crient les lions quand la savane est en feu? Bah franchement, je sais pas. Fauve qui peut. Du coup, je marque le mat avec un petit cœur sur chaque doigt. Moi, je pense, comment ne pas dire oui? Moi, j'adore. Moi, je l'adore, perso. Ah, c'était pas mal. Gnou, 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 t'es pas à la hauteur. Gnou, gnou. C'est pas mal, non, frère. Non, je dis juste l'année. Que c'est quand même c'est une sacrée meuf, tu vois, franchement, c'est une sacrée meuf. Elle est pas déjà passée, elle? Ah non. Non, sûrement, c'est Oni, du coup. Et mon talent, ce serait le chant. Est-ce que tu pourrais te lever? Ouh. Ah ouais, donc là, on part sur une déclaration. C'est trop long, c'est trop long. Mathis. Ok. Oh, 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 you got me feeling my emotions. Ah ouais. Est-ce que ton ex t'a fait ça? Elle a couché avec mon meilleur ami. Tu l'as clairement demandé en mariage, on est d'accord ou pas? Ouais bah ouais, elle est là la bague. Oh my god. Est-ce qu'elle rentrait dans ton doigt? Non. Du coup? C'est un oui. Eh franchement, c'était un truc d'ouf, Mathis. Moi, personne ne m'a fait ça dans ma life. Ça passe quoi après ça? Après ça, il va y avoir un speed dating sur un boat. Mais avant de partir sur la péniche, Mathis, je t'ai préparé une petite session de love coaching pour être le meilleur dater qui existe sur Terre. Ok. T'es prêt? Du love coaching. Bonjour, Sienne, bonjour Mathis. Salut. Bonjour Nesrine. Nesrine, Est-ce que vous avez déjà fait du love coaching, vous? Coach Mathis, Nesrine, Nesrine, Mathis. Ok, enchanté. Sourire et insiste. Wouah. Wouah. Enchanté. Enchanté. Wouah. Le sourire est insistant, frérot. Elle est en train de le regarder en mode qu'est-ce que je vais faire de cette merde? Et tu l'as pour t'aider à faire ressortir la meilleure version de toi-même. J'ai frisson, ça fait flipper. Bah, let's go. Tu te sens comment? Il y en a que j'aime vraiment bien. J'ai hâte de voir ce que ça donne en fait. Elles ont tout donné pour te séduire, mais moi je t'ai trouvé un peu trop passif, un peu trop nonchalant à mon goût. La séduction est un jeu qui se joue à deux. Ou à trois pour certains. À deux, c'est bien. Je veux que tu sortes tes meilleures cartes. Quelles sont tes qualités pour les charmer? Ma qualité principale, franchement, c'est que je suis gentil. Hein. Je suis vraiment gentil, mais c'est pas charmant, ça. Mais si c'est charmant. Oui, c'est mignonnet. La posture, Mathis. 70% de ta communication passe à travers ta posture. Ok. Ta confiance en toi, elle doit s'incarner physiquement et corporellement. Boum. Vas-y, redresse-toi. Ouais, mais attends. Les épaules droites, le torse bien bombé. Ok. Faire ressurgir ta masculinité, ta virilité. Ok. Bon, la santé, la masculinité, la virilité. Let's go. Faut que je la chope. Bon, en mode vous la sentez? Mais il faut que je la chope quand même. Faut quand même que je la chope. Mais le eye contact est super important. Regarde-moi dans les yeux. Mais
Mais je te regarde dans les yeux. Ouais, mais il faut la regarder mieux. Je te regarde mieux dans les yeux, alors. Toi, ton but, c'est de mettre ta prétendante la plus à l'aise possible. Elles ont besoin de se faire charmer, elles ont besoin d'être séduites. Tu as 10 minutes pour convaincre. Mathis, c'est quoi ton objectif ? Faut que je la chope. Non ! Ça va pas du tout. Ouais, pardon. Les femmes ont besoin de romance, ont besoin de rêver, ont besoin de poésie. Ne te tire pas une balle dans le pied. C'est des prétendantes extrêmement sérieuses. Faut être sérieux, faut être romantique, faut être charmant, séducteur. Got it ! Un vrai gentleman digne de ce nom. Tu es prêt ? On verra. Si tu es prêt ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Avec du charisme. Je n'ai pas fait en caramel et en guimauve. Je suis prêt ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Qui c'est là-bas ? Je suis prêt ! Je suis prêt ! Ça va aller. Mathis va partir en date avec chacune des prétendantes qu'il a retenues lors du talent show. En ce qui nous concerne, avec Loni et Disha, mariés, fiancés depuis toujours. Depuis la nuit des temps. On va assister à chacun des datings de Mathis. Évidemment, on va commenter et donner notre avis. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, franchement, ça va, ça va. Du coup, Ah bah non, attends. Ah, il est mignon. Au début, je me suis dit, ouais, ça va être hyper chill. Non, je suis pas à l'aise. De toute façon, 1 million de personnes pour le voir sur Internet, donc... 2 millions, ma belle, parce que cette vidéo, elle m'a coûté cher. Tu fais quoi dans la vie ? Alors là, je suis en reconversion. Je passe mon permis poids lourd. Et donc, tu vas être camionneuse. Voilà, exactement. Ah ouais ? Qu'est-ce que tu... T'as pas le profil d'une camionneuse. C'est trop bizarre. Oh, ah ouais ? Mon Dieu, mais là, il rate, là. Non, c'est cool. Enfin, c'est stylé. C'est... Ouais. Ah, c'est cool. Il en pense pas stylé. Un mot. Il ment ? Il n'en pense pas un seul mot. T'inquiète, tout va très bien se passer. J'aime pas les insectes. Okay. Je saute, je fais des tours sur moi-même. Dans ton camion, ça va être compliqué à gérer, ça. Hein. Des tours sur toi-même, c'est dangereux. Il est malade. Les 5 minutes sont passées, je vais te laisser aller te mettre à l'abri des insectes. Il a dit une bête ! T'en as pensé quoi, du coup, pour l'instant, de ton expérience ? Oh, c'était cool, c'était cool. Ouais. Ouais. Il est timide, ouais. Il la regarde pas. T'avais des petites questions par rapport à moi, des trucs que tu voulais savoir ? Ouais. Des questions, ouais. Franchement, est-ce qu'il y a des trucs en particulier que j'ai envie de savoir ? Mais stressé, hein ? Je fais que de parler. On est là. C'est pas très cool pour un date de faire que de parler. T'inquiète, t'inquiète. Il se fait recadrer. Pitié. Oh, bon, je vais aller voir. Attends, j'arrive. Mon gars, comment vas-tu ? C'est moi qui dois gérer maintenant. Ça va super. Écoute, j'ai une question. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui ? Pouvoir partager des délires, hein. Potentiellement, si c'est la femme de ta vie. Merci beaucoup. Des enfants ? Évidemment. Des enfants. Maison ? Une maison. Maison. Qu'est-ce que t'aimes ? T'aimes les animaux ? Ouais, j'aime les animaux. Les chats. Les chats ! Voilà, t'as un truc. Ensuite, tu passes à autre chose. Histoire d'apprendre à la connaître. Et puis, regarde-la aussi dans les yeux, tu vois. T'as ta peur. Faut que je la chope ! Faut que je la chope. Tu connais le son de fraîche, non ? Ouais, je connais. Chef, les prétendantes, elles sont là pour toi. Donc, profites-en, mec. T'as vu la chance que t'as eu d'avoir juste avant ? Le pauvre, ça l'a envoyé au charbon, frère. Genre, ça l'a envoyé au traquenard, là. Genre, c'est un frère. Il est là, il est tout gêné. Il vient de se faire tromper, genre. Et tu lui fais voir, genre, 100 meufs à la suite. Verte et tout, t'aurais pu parler de plein de t'as choses. Fait y a speed pas de date. Question bête, y a pas c'est de. C'est dur de speed date en plus. On se bête, rien. Comme ça, nous, après, on pourra commenter, bien critiquer. Ça va depuis la dernière fois. Ouais, franchement, ça va, tranquille. J'aime trop ton style. Oh, voilà, chef. Bravo. T'es une candidate potentielle pour être, parlons français, la potentielle future femme de ma vie. Allez. C'est un peu trop. Respectez-moi, mettez du respect sur mon nom, s'il vous plaît. Il a juste répété ce que t'as dit. J'en ai rien à foutre, il sait tout droit. Admettons. Déjà, est-ce que t'aimes bien les animaux ? Pourquoi tu veux savoir ça ? Il vient de parler de chat alors qu'il vient de dire femme de ma vie. Le switch de sujet était un peu rapide. Parce que tu seras ma Catwoman, j'en dis pas en couille. Est-ce que tu veux des enfants ? J'aimerais bien avoir un garçon. Ok, un si garçon. Possible. Ah, veux pas de fille ? Si possible. Je sais pas si je trouve ça plus simple à élever. N'importe quoi. Si c'est une fille comme moi, ça va être compliqué. Mais ça va pas. Tu peux pas dire des choses comme ça. Elle a raison, parce que les filles, c'est des chieuses. Dis pas de suisse, dis pas, y a peut-être un problème. Franchement, ça vend du rêve. J'aime bien, non ? Elle a raison. Let's go. Il l'aime bien, on dirait. Ouais. Ouais, ça se voit. Du coup, j'avais une question. Dis-moi. Est-ce que t'es passé à autre chose ? Ouais. Enfin, une semaine. Pour la meuf, ouais. Si elle a été capable de faire ça, c'est juste que c'était pas la bonne. Donc pour la meuf, ouais. Pour mon pote, non. Oh, il a perdu son ami aussi, c'est vrai. Et quelle est ta couleur préférée ? Couleur préférée ? On s'en bat les couilles, non ? Bleu. Le bleu, je dirais, hein. Jure. Comment tu savais ? Même moi, je savais pas que c'était bleu, sa couleur préférée. Tes yeux sont verts. Oh. C'est vert. Du coup, j'aime bien. Ah, oh, c'est mignon. J'aime beaucoup tes boucles. C'est vrai que je te verrais bien avec les cheveux longs. Oh. Et
Et toi alors, c'est quoi ton talent? Mon talent, c'est quoi? Rien que je puisse te montrer, hein, franchement. Je trouve qu'elle est hyper. Elle parle comme une intermittente du spectacle, ça me perturbe. Tu te souviens de mon âge? Je t'ai dit que j'avais 26 ans. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut te déranger? Regarde, elle lui parle même comme si c'était un enfant. Tu vois ce que je veux dire? T'as mis le mot dessus. Je me demande ce qu'elle fait dans la vie. Elle a une dégaine à être animatrice. Tu fais quoi dans la vie? Je suis dans le domaine de la formation et je suis conseillère pédagogique. Ah non. Voilà. Les meufs, vous êtes trop forts. Moi, j'habite en Guadeloupe, ça dérange. J'aime bien le soleil, hein, franchement. T'aimes bien le soleil, tu pourrais venir en Guadeloupe. À l'autre bout du monde. J'aime beaucoup tes cheveux. Ah ouais? Mm-hmm. C'est gentil, il aimait pas sa coupe de cheveux en plus. Ça va le rebooster. J'ai eu les cheveux longs, j'ai été. T'as eu les cheveux longs? Ouais, longs, on s'entend. Hein. Genre en mode. Oh, les ongles, frérot. Bonobo. Oh, les ongles. Bonobo. Un bonobo, c'est un singe, non? Je voulais dire bobo, je pense. Bonobo. Oh, les ongles. C'est les filles qui sont là pour être jolies dans les clips. Ok. Tu fais bien le taf, je pense. Oui, je fais bien mon taf, hein. Mais c'est un compliment, genre, ma t'es jolie. Elle a pas compris. Non, elle a pas compris. Ah. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Non, ouais, c'était non. Ah, sa favorite. T'es une pianiste confirmée. Non, pas du tout, mais en vrai, c'est un des meilleurs instruments qui puisse exister. Elle a une jolie voix. En tout cas, c'est le plus stylé. C'est celui qui vend le plus de rêves. Oui, mais en même temps, il est facile à apprendre. Tu vois, t'as pas besoin des bases de solfège ou t'as pas besoin de forcément apprendre de ouf la musique pour jouer du piano. Ah ouais? En tout cas, elle a l'air captivée par ce qu'elle dit. Lui, c'est un escroc. Il boit ses paroles. C'est un escroc, il mange ses paroles. Pardon, hein. Je vois, t'as des tatouages et tout. Ah oui. Il y en a qui ont des significations. Ouais. Il veut les voir. Il veut les voir. Tu vois, le champignon, c'est un tatouage très profond qui signifie beaucoup pour moi. Ok. Non, c'est faux. Ah, t'es des blagues. Là, t'es content? Là, je suis bien là. Ok. Ok, c'est elle. Time. C'est elle. Ah, il est déçu. Il est déçu. Il a fait une tête en mode quoi déjà? S'il la saisit pas, elle, c'est bizarre. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Les filles rentrent chez elle. Non. Elle le pense pas, non. Ah, il est déçu que ce soit fini. Elle est déçue. Tu t'es mis comme ça. Mon animé préféré, c'est Your Lie in April. Ah, pas mal. Archifrais. J'ai vu passer, j'ai pas regardé. Non, c'est bien. Ouais, pas moi, je sais, il faut, il faut. Incroyable, Your Lie in April. On regardera peut-être même ça ensemble. Hein. Oh. Il rentre dans le plat. Il est devenu tchatcheur d'un coup. Tu fais tes études à Paris. Je fais plus d'études, moi. J'ai fait des études, c'était à Orléans. Et maintenant, j'ai ma société et je monte les vidéos. Ah, c'est cool. Putain, c'est pas mal. Monteur. Oui, pour moi. Pas mes vidéos à moi, mais pour des vidéos que je produis. Ouais. Ah, tu produis des vidéos aussi? Ouais. Oh, c'est très frais. T'as l'intention de partir au Japon, là, faire des trucs. Carrément. T'installer. C'est quoi son plan, Océane? Juste voyage. Retournons-y ensemble, hein. Franchement, moi, je suis chaud. Allez. Aussi. C'est bien, lui qui voulait rester casanier chez lui, maintenant il veut partir au Japon avec elle. Tu vois ta belle-sœur là, c'est quand même. Non, j'irai pas jusque-là. Les 5 minutes, elles sont passées, moi je propose qu'on finisse cette conversation plus tard. Hein. Oui. Mais non! De toute façon, j'avais parié sur elle à la base. C'est vrai? Il a déjà son bébou. Je mets une pièce sur elle et tout. Qu'est-ce que tu fais, mec? Bon, Mathis, tu viens de partir en speed dating avec 10 femmes exceptionnelles. Tu vas devoir en faire partir 5. Je suis très malheureuse d'assister à ça actuellement. J'aurais préféré me cacher dans un trou, mais puisque c'est mon idée, let's go. Du coup, Laurine... Mais parle-lui dans les yeux. Ouais, pardon, je suis gênée, c'est chaud. Je vais pas te garder. C'est lui qui rate. C'est clair. C'était très cool, mais j'ai pas senti l'alchimie qu'il faut, tu vois. Ouais. Ça va pas le faire. Nous aussi, c'était cool, hein, franchement. Malheureusement, j'ai pas senti le truc. Oh, je suis désolé. Quoi? Sors son prénom. Je suis désolé, Oni. Mais il y a trop de prénoms d'un coup. T'as oublié son prénom, elle aussi? Non, c'est Ryan, c'est bon ça. Là, pour le coup, j'ai senti vraiment un truc. Donc c'est oui, on a un point en commun. Hein. Donc je te garde. Hein. Bah c'est oui, hein, j'ai pas d'autre argument. Hein. La conversation, elle était fluide, c'était cool. J'ai bien aimé, j'ai senti un petit truc aussi. Donc je te garde. Ok, à tout à l'heure. Le feeling était passé, mais pas comme couple, genre. Pas de soucis. Ouais, désolé. T'es toujours très sympa, hein, franchement. Et très belle. Et très belle, c'est vrai. Mais j'ai pas accroché toujours. C'est lui qui rate. Tu vas dire ça à tout le monde? Oui, bah oui. J'ai tout raté, en fait, selon toi. Allez. Du coup, c'est non, j'ai déjà dit que c'était non. Mais me regarde pas moi, regarde la personne, encore. Bah du coup, désolé. Y'a pas de soucis, merci. Allez. Ah, tout ça pour ça. Tu restes si avant tu de pensais me recaler, que c'était frère. Fini, Mathis, ce n'est pas terminé. Yes. Parce que parmi les 5 personnes que tu as retenues, il y en a 3 qui vont devoir partir. Ah, ok. T'es mal l'OST de Naruto? J'ai honte de vous annoncer ça, mais il s'est passé quelque chose. L'OST Naruto, les loges. Comme ça. Ouais, comme ça. Okay. Un petit clap. Clap. Bon, Mathis, tu t'es fait tromper dans ta relation précédente.
Ton ex t'a menti, elle t'a manipulé. Désolée de remuer le couteau dans la plaie. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas envie que ça se reproduise, donc j'ai prévu une caméra cachée pour tester les prétendantes que tu as retenues. Ilan, Matisse, Ilan, vous le reconnaissez peut-être de On devine qui, il était présent. Shout out Lena. Je t'aime d'ailleurs, je suis un acteur, n'oublie pas. Sans offense aucune, pour moi c'est un Matisse avec plus de barbe, plus de muscles et finalement un peu plus de bronzage. Matisse UV quoi. C'est ça. Je vais envoyer Ilan dans la loge, là où il y a tes prétendantes qui vont attendre. Et le rôle d'Ilan, ça va être de les draguer. S'il arrive à obtenir Instagram, Snap ou numéro de téléphone... Ça saute. Ça saute. Putain, Snapchat. Imagine, elles donnent toutes. Ouais, voilà, bah t'as pas de meuf. Vous voulez que je laisse la salle ou... Non, t'inquiète. La fidélité. Toujours les dramas, okay. Toujours les dramas, j'aime bien, j'aime bien. Je sais qu'il y a un tournage, mais je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est à la fin de la vidéo, je trouve un date à mon petit frère. T'as Insta, toi? Qui n'a pas Instagram aujourd'hui? Bah, je sais pas, maintenant, t'as vu... des ovnis de la société. Non, mais le t'as Insta, c'est une manière subtile de dire « Veux-tu bien me donner ton Insta ?» J'ai bien compris, On est fort, quand même. Salope! Il a dû bloquer sur tes yeux, non? Péripatéticienne! Non, non. J'ai bloqué. J'ai tellement bloqué que je vais pas te demander que ton Insta en vrai. Bouh, Zoé! Est-ce que t'as un num? Attends, ouais, Snap ou num plus? Je réponds jamais sur Snapchat. Vas-y, bouh! Infidèle! Elle est là pour draguer un mec et elle se fait draguer par un autre. En fait, moi, je fais des tournages, mais pour des clips. C'est quoi ton Insta? C'est Notebooks. Tiens, vas-y, note-le moi. En tout cas, si ça avait été moi, je pourrais aussi garder dans le top 5-10. Hein, après, il y a des très jolies filles, hein, tu les as pas toutes vues, hein, il y a des très jolies filles. Hein. Eh, c'est quoi ton numéro? Faut que tu me le donnes absolument. Absolument. Ah, ça, par contre, c'est un numéro web. Je connais très très bien les acras, tout ça. Genre le mec, il tombe dans les gros clichés de ouf. Toi, t'es célib? Ouais. Je crois que tu dis ouais en mode. T'es célib? Non, bah, sinon, je serais pas là, quoi. Ouais, mais... C'est quoi ton Insta? Enfin, je... Oui, enfin, bon... En tout cas, j'espère que... Ouais, il est là. Ouais. Let's go. Parfait. Je te... C'est qui le mec? C'est le frère Océane. Et ça va, ça? Mec, si elle, c'est une tepue aussi, je pète un plomb. Colle avec tes goûts à toi? Ouais, ça va, en vrai, il est sympa. Je sais pas si j'aimerais faire de base. Ta tête, elle me dit de ouf quelque chose. Ah, ouais? T'as jamais fait un tournage ou... Non. C'est quoi ton Insta? Non. Je pense que t'as toutes tes chances pour gagner, toi. Ouais, on va voir. Croisons les doigts. Ouais. T'as Snap aussi? Ouais, si, Vas-y. Je sais pas comment faire. Je suis anéanti. Tout ça, là. Non, je suis anéanti, frère, je suis anéanti. Je t'ajoute. Toi, c'est quoi ton prénom? Ilan. C'est. Je peux rester là? Ouais, enfin, si ça dérange pas. Elle a l'air fidèle. Un vrai style de fou. Merci. Là, je kiffe tes tatouages. C'est gentil. C'est quoi ton Insta? C'est. Vas-y, passe-moi ton numéro carrément. De quoi? Ton numéro. Mon numéro? Ouais. Je communique que sur Insta. T'as Snap? Snap, je sais plus ce que c'est. Après. On y va? Ouais. Floriane et Lila, vous avez passé le test. Du coup, vous pouvez passer à l'étape supérieure. Mais. Franchement, est-ce que c'est possible de refaire venir. Paloma. En vrai, c'est pas si grave. Elle a donné quoi? Insta? Non mais attends, Matisse, tu t'en bats les couilles de répéter peut-être les mêmes erreurs que toi. Quoi? On va revenir Paloma. Ah non non, attends, on peut pas mettre ça. Il s'agit pas de répéter deux fois les mêmes erreurs, c'est juste apprendre du passé, d'aller de l'avant et de pas laisser le comportement de cet ex influer sur mes potentiels choix futurs. Le problème, c'est que y a que deux places. Bah, je pense que les deux personnes seront Paloma du coup et Lila. Salut Floriane, salut, bisous. Désolé. Paloma, welcome back. Salut. De retour, on va partir au date final. Vous allez toutes les deux dater Matisse. Paloma, on t'oublie pas. Il y en aura une seule qui sera retenue. Matisse est actuellement en date avec les deux prétendantes. Il va devoir en choisir une sur les deux. Avec les deux en même temps bien. Et Olivier, bah, aka le motif, va m'accompagner pour commenter la scène. Bah, c'est normal, il y en a une des deux qui va rejoindre la famille. Vous étiez celle avec qui le feeling passait le mieux, hein. Vous êtes jolie. C'est quoi le motif? Le feeling passe vous en bien, tout à l'heure. C'est fluide, c'est cool. Je sais pas, est-ce que c'est réciproque, genre? Bah pour moi c'est grave réciproque, okay, en tout cas, ouais. Lago elle a dit, pour moi c'est grave réciproque. Paloma l'a dit ça. Paloma mérite, si, frère, adorable. Moi du coup, après donner son Insta à des mecs comme ça, frère. Ah bon, c'est passé, mais les vôtres. Il y a des mecs qui arrivent, il leur fait deux mois ton Insta, elle donne. J'ai une relation de deux ans qui a pas très bien terminé. Je me suis fait tromper trois fois. Tous les mêmes. Trois fois? Et toi, du coup? Quoi? Moi? Quoi?
Quoi ? Coupé trois fois. Relation de 2 ans qui a pas très bien terminé. Je me suis fait tromper 3 fois. Tous les mêmes. Ah, c'est le même, par le même mec, tu vois. Bon, et une relation de 2 ans. J'ai craché sur la soupe, hein. Putain. C'était sympa. Là, genre, cette année, j'étais un peu bon vidaloca. Ouais. Ça veut dire quoi, ça ? On se sait. Non, mais... ouais, les gens étaient... Ça veut dire qu'elle a pêché tout le monde. J'ai craché sur la soupe, hein. C'était sympa. Là, genre, cette année, j'étais un peu bon vidaloca. Ouais. Ça veut dire qu'elle a... Ça veut dire quoi, ça ? Les gens étaient très gentils, très ouverts, vie étudiante. Ouais, ok. On voit à peu près. Voilà. Franchement, moi, si j'étais lui... Ouais, tu choisirais qui ? Je leur dirais, vous savez... Courte paille, Amstramgram. Non, ah. Je tenterais le troupe. Mais quoi ? Je lancerai l'idée. Non ! Demande-leur l'idée des deux vous donner un second date. Wow, pardon. Est-ce que... Attends. Est-ce que l'une d'entre vous serait intéressée par, admettons, un second date ? Bah oui, si on est là, Dis-leur qu'en fait, tu vas ne devoir qu'en choisir qu'une. Battez-vous ! Il ne peut en avoir qu'une en second date. Pourquoi toi plutôt qu'elle ? Pourquoi toi plutôt qu'elle ? Je trouve que... Là maintenant, laquelle gagne à la bagarre ? Là maintenant, laquelle gagne à la bagarre ? Elle, elle a l'air timide, mais peut-être vicieuse, hein. Peut-être elle met les ongles dans les yeux, hein. Peut-être elle griffe, hein. Et genre, elle a l'air un peu trop raffinée pour mettre la main à la pâte. Bon, vraiment, en mode, elle se fait tirer les yeux, elle capitule. Qui est-ce qui gagne ? Vous mettez qui ? Moi, je mets mon argent sur elle. Paloma. C'est vrai qu'elle a l'air plus musclée, hein. Ouais, elle est plus musclée, ça se voit. Elle est plus sportive, plus musclée, mais elle a l'air plus vicieuse, hein. Lila, putain, t'as retenu son blaze. C'est que pour l'argent. On se parle bien, t'es quelqu'un de chill. Ah, elle gagne de l'argent. Ouais, je pense qu'elles sont payées, c'est vrai. Ça peut être mon style, du coup, bah, moi je me dis que pourquoi pas, ça peut vraiment fonctionner. Non, mais Paloma, franchement. Franchement, Paloma, bienvenue dans la famille. Ça m'a plu d'avoir déjà pas mal de points communs avec toi, physiquement aussi. J'aime bien. Mais c'est vrai que si on pouvait se revoir, j'ai des idées. Ok. Écoute-moi ce petit sourire. Si on pouvait se revoir, j'ai des idées. Ok. Moi je vais. Oh, c'est trop mignon. Et devoir prendre un choix franchement plus que compliqué, je vais devoir en choisir que une. Vous êtes toutes les deux franchement au top, tout aussi géniales l'une que l'autre. Là, je me rends compte que je suis dans le pétrin. Hein. Vas-y dans ton choix, vas-y Mathis. Je vais te choisir toi, Paloma. Regarde le petit sourire. T'entends ça, bouffonne ? Je vais te choisir toi, Paloma. Regarde. T'entends ça, bouffonne ? T'as vu ça, bouffonne ? Clochard, de bas. Eh ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Mais attention quand même avec ton histoire de Insta, là. Non, mais t'inquiète, je te jure, il m'a pas dragué. Hein. T'inquiète, je te taquine. Mais attention quand même. Pourquoi ? De toutes les façons, on a tous vu que... Yo, Guillo ! C'était purement pour. Yo, Guillo ! Attends. De toute façon, on a tous vu qu'il s'était passé quelque chose là. Apparemment, c'est plus flagrant. Apparemment, c'est plus flagrant. En tout cas, je suis très contente que tu m'aies choisi. On peut se faire un câlin ? Ben oui, on peut se faire un câlin. Ah, merci encore à AirUp d'avoir sponsorisé cette vidéo. Mignon. Et n'oublie pas, tu peux utiliser mon code.